Parfait. Alors actuellement, je suis psychothérapeute et je vais devenir la hypnothérapeute. Parce que c'est un outil supplémentaire, parce que ça aide plus rapidement les autres, ça a plus d'efficacité et que c'est plus confortable parfois aussi pour les gens. La formation, je l'ai choisie au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, j'avais l'intention de faire que la première partie. Puis quand j'ai découvert en fait les secrets un peu de l'hypnose, au fur et à mesure, j'ai voulu aller plus loin et aller jusqu'au bout, jusqu'à devenir hypnothérapeute. Et puis donc mes projets aujourd'hui, c'est de l'utiliser le plus possible avec les enfants, les adultes, enfin voilà, le plus possible. Pour gagner en efficacité dans mon travail, pour aider le mieux possible les personnes qui viennent me voir. Et puis après, si je peux faire en plus de la formation, ce serait chouette. Disons qu'en fait, la formation, c'est un peu comme un puzzle. Donc, on découvre les choses au fur et à mesure, tout fait pas sens tout de suite. Puis à un moment donné, on a comme un activateur où tout se met en place. Et on commence à comprendre un peu les choses et c'est plutôt sympa et ça se renouvelle à chaque fois. Donc, et puis c'est une nouvelle découverte à la fois des outils et de nous-mêmes en même temps et une découverte de l'autre. Donc c'est chouette. Un autre peut-être regard d'abord sur ma pratique. Un autre regard sur moi-même aussi. Et puis... ça a développé de nouvelles ouvertures d'esprit, de pensée, ça élargit un petit peu ce qu'on est. je sais pas précisément. Mouvementé. Pour l'instant, j'ai pas d'idée véritablement à part le fait de travailler. Ce qui est déjà un peu le cas, juste de l'utiliser, enfin de travailler autrement. Maintenant, comment précisément et je ne sais pas. Parce que c'est une formation complète, parce qu'on ne nous donne pas du mâché, parce que on apprend à créer, à produire, on apprend à devenir notre propre outil pour devenir, pour aider à accompagner l'autre. Ouais, c'est une ouverture un peu... Ce sont des méthodes un peu différentes, je pense, des autres écoles où on donne des protocoles tout faits. Là, c'est pas le cas. Et il faut créer, et puis ça développe la curiosité, aller chercher à droite, à gauche, aller piocher. Et ça, c'est chouette. Très bien. D'accord, parfait. Pour bien accompagner. Voilà.